Salut à tous, bienvenue à Pornos pour la deuxième journée du championnat de France Superbike ici sur le circuit Bernay. Le programme du jour, deux courses de Pré-Moto 3, deux courses de Supersport et deux courses de la catégorie reine, le Superbike. On perd pas de temps, c'est parti. On débute ce résumé avec la catégorie Supersport. Au départ, Cédric Tang jaillit depuis la deuxième ligne pour aller se porter à la hauteur de Claire qui conserve la première position. Après quelques tours, la hiérarchie s'est mise en place. Claire mène la course devant Tendre et Casa dessus. Pour la troisième place, Maximilien Beau parvient à passer le pilote de la Honda numéro 20. Beau, décidément déchaîné, s'empare de la seconde place de Tendre qui souffre des avant-bras. Le classement final de cette manche est le suivant, Claire, Beau et Stéphane Frossard, troisième, qui double Tendre dans le dernier tour. Dans la catégorie Pré-Moto 3, pour la première course du week-end, c'est Clément Rouget qui s'élance de la pole position. À ses côtés sur la première ligne, Mathieu Gregorio et Joris Nguila. Au départ de la course, Rouget se fait passer par Gregorio. Mais le pilote de la 24 va être victime de problèmes d'injection qui vont l'obliger à passer par les stands et redémarrer sa moto. Huitième en sortant des stops, le pilote Charcot va entamer une folle remontée et passer le damier en deuxième position. Le classement final de cette première course, Rouget, Gregorio et Nguila. Kenny Forêt et sa BMW sont en pole position de la première manche du week-end de la catégorie Rennes. Greg Leblanc et David Checa sont à ses côtés. Mais c'est David Checa qui va prendre le meilleur envol et boucler le premier tour en tête de la course. Il va falloir 3 tours à Kenny Forêt pour venir à bout de Greg Leblanc qui, en proie à des soucis électriques, va dégringoler au classement pour franchir l'arrivée en 6ème place. David Perez signe une course régulière récompensée par une belle 3ème place à l'arrivée. David Checa pensait avoir course gagnée, mais c'est sans compter sur le courage de Kenny Forêt qui a pris son mal en patience. Le pilote BM va s'emparer de la première place dans les ultimes boucles de la course. Forêt s'impose devant Checa pour 9 centièmes de seconde. En sidecar pour la course 2, la paire de Lannoy Rousseau ne s'élançait pas de la pole position. Mais au bout de quelques tours, Huel Avorel, victime de coupure moteur, cédait la première place au side numéro 1. Avec cette nouvelle victoire, Sébastien Delannoy et Kevin Rousseau sont les champions de France 2016 de sidecar. C'est le 15e titre de Delannoy dans la discipline. En course de Supersport et sous le regard du président de la FFM Jacques Boll, Hugo Clerc est encore en pôle. Beau et Tendre sont ses voisins de première ligne. Au départ, c'est le Poneman qui prend la tête de la course. Suite à la chute de Stéphane Frossard et Yvan Letzik, et l'autre plus isolé d'Hugo Casa dessus, la direction de course interrompt la manche au drapeau rouge. Après le nouveau départ, c'est encore Hugo Clerc qui mène les débats devant Louis Bull et Cédric Tendre. Les positions restent les mêmes jusque dans les ultimes boucles où Maximilien Beau fauche Bull dans une attaque suicide pour tenter d'accéder au podium. Peter Polesso, qui s'élançait depuis la 5ème ligne, termine en 3ème position. Hugo Clerc s'impose pour la 2ème fois de la journée devant Tendre. Hugo renforce son statut de leader de la catégorie à 4 manches de la fin. Dès le départ de la 2ème confrontation Pré-Moto 3, Rouget se fait passer par Gregorio qui va tenter de résister le mieux possible. Mais Rouget va imposer son rythme et prendre la tête de la course pour ne plus la quitter. L'autre bagarre de cette manche a opposé Nguila à Théo Serrière. Le numéro 43 va être victime d'une chute alors qu'il semblait dans le rythme pour le podium. Le classement de la course 2 est identique à celui de la première. Rouget, Gregorio, Nguila. Rouget est le solide leader de la classe.
David Perret est le poleman de la seconde course FSBK du week-end. La Yam du numéro 18 se retrouve aux côtés de la Yamaha 94 de David Checa. Kenny Forêt est le dernier sur la première ligne. À l'extinction des feux, c'est Mathieu Lagrive sur sa Kawasaki Stock qui surprend tout le monde et qui va mener le premier tour de la course. David Checa va prendre les commandes de cette seconde manche. Après la chute de Perret, c'est Greg Leblanc qui pointe en deuxième place devant Kenny Forêt. Ce n'est pas l'intervention du safety car suite à la chute de Baptiste Guittet qui changera ce classement. 5 tours du but alors que Checa mène toujours, Forêt trouve l'ouverture sur Leblanc. Il s'empare de la deuxième place. Le classement est donc scellé. Victoire de Checa devant Forêt et Leblanc. A l'issue de cette seconde course paloise, le pilote GMT conforte sa place de leader en Superbike. Forêt est deuxième, Leblanc troisième. La prochaine manche du championnat de France Superbike se déroulera sur le circuit de Carole, près de Paris, les 3 et 4 septembre prochains.